want to take the opportunity to present the word of God this morning. Je ressaisis cette occasion pour vous présenter avec la parole de Dieu ce matin. I've recently been doing some emotional wrestling in my life. Récemment, j'ai eu une lutte émotionnelle dans ma vie. I keep wanting to do more. I keep wanting to do more in my work. J'ai envie de faire plus dans mon œuvre. I want to grow more. Je veux être patient chaque jour. I want to help them get the best education. Je veux les aider à avoir la meilleure éducation. I want to work on their schoolwork with them. Je veux partager de leur temps pour faire les devoirs avec eux. I want to help them do fun activities like gymnastics and dance and piano. Je veux partager dans leur activité. Je veux faire avec eux la gymnase, le piano, etc. I want to be the perfect dad. Je veux être le papa parfait. But also. Mais. I also want to do more in my relationship with my wife. Je veux faire plus avec ma relation avec mon épouse. I want to show her more love every day. Je veux montrer Woo! Plus d'amour envers mon épouse. Hallelujah. I want to help her. I want to have time to help her with the dishes and with the cooking. Je veux avoir du temps pour l'aider à faire les tâches ménagères. Because she's working hard in her ministry too. Car elle travaille dur dans son ministère. I want to protect some time every week to have a date. Je veux prendre du temps avec elle chaque semaine pour sortir. Hallelujah. I want to fix the things around the house that need to be fixed. Je veux réparer les choses qui doivent être réparées dans la maison. I want to get her nice gifts. Je veux lui donner des bons cadeaux. I want to be an amazing husband. Je veux être un mari exceptionnel. But I've really been having an emotional wrestling match in the past few months. Mais ces derniers mois, j'ai traversé des luttes spirituelles, des luttes de combat spirituel difficiles. Because I keep finding myself so stressed out. Car je me retrouve sous le stress. About wanting to do all of these things really well. Car je veux effectuer toutes ces choses bien. And I started to realize. Et j'ai commencé à me rendre compte. That I wasn't so excited about meeting some of my Muslim friends to study the Bible. Quand je n'étais pas très très excité à l'idée de rencontrer mes amis musulmans pour étudier la Bible. I realized I was feeling too tired to give attention to my wife. Je me suis rendu compte que j'étais trop fatigué pour donner un peu de temps à mon épouse. Or wash a few dishes. Ou pour laver quelques assiettes. I was feeling anxious about all the things on my to-do list. J'étais anxieux concernant tout ce que j'avais à faire, les tâches que j'avais à accomplir. I say to my girls, no, give me space. I need some space. I need some time. Je disais à mes filles, donnez-moi un peu de temps, s'il vous plaît. J'ai besoin du temps. And I found myself being too impatient with them. Et je me suis rendu compte que je devenais impatient avec mes filles. But finally, in the middle of feeling this stress and pressure. Finalement, au milieu de cette stress et de la pression, and I could feel it's piling higher and higher on myself. Et je sentais que ça devenait de plus en plus difficile sur moi, et ça s'empirait, tout ça s'empirait sur moi. I was in a prayer meeting. J'étais dans une réunion de prière. And my wife shared a beautiful passage, shared a beautiful story from the Bible. Et mon épouse a partagé une belle histoire de la Bible. She shared it with a group of other people. Elle a partagé cette histoire avec un groupe de personnes. And that day when she shared the story, do you know what God said to me? Et le jour où elle a partagé l'histoire, vous savez ce que Dieu m'a dit? Do you think he said to me that day, come on buddy, you can do it, just work harder, I'll help you. Pensez-vous qu'il m'a dit, écoute, essayez plus fort, je vais vous aider. No, he didn't say that. Ce n'est pas ce que Dieu m'a dit. Did he say, just pray more and you'll have more faith and you can do everything better? Est-ce que Dieu m'a dit, prie encore plus et tu auras plus de foi et tu pourras mieux faire tout ce que tu as à faire. No, he didn't say that to me. Ce n'est pas ce qu'il m'a dit d'ailleurs. Did he say to me, get some more training, read some more books about doing all of these things well, and then you'll do it really well. Est-ce qu'il m'a dit, il faut que tu cherches à te former un peu plus et il faut chercher à lire encore plus de livres et tu pourras effectuer tes tâches mieux qu'avant. No, he didn't say that to me either. Ce n'est pas ce qu'il m'a dit. That morning, when my wife read this story out of the Bible that touched me. Ce matin-là, quand mon épouse a lu cette histoire de la Bible, cette histoire qui m'a touché. Do you know what God said to me? Savez-vous ce que Dieu m'a dit? He said to me, "You are not enough." Il m'a dit, tu ne suffis pas. Wow. J'ai dit quoi? That's right. He told me, "I can't do it." Il m'a dit, tu ne peux pas le faire. I can't do all those things. Tu ne peux pas faire tout ce que tu veux faire. I'm not good enough. Tu n'es pas assez bon. He told me, you are not enough. Il m'a dit, tu ne suffis pas, toi seul.
And he said, you're not enough. Tu ne suffis pas. And that's exactly where I want you. Et c'est exactement là où j'ai besoin de toi, là où tu dois être, là où je veux que tu sois. I said, wow, I can't believe it. J'ai dit, wow, je ne peux pas l'imaginer ça. I want to share this story that my wife shared with our group that morning. Je veux partager cette histoire que mon épouse a partagée avec le groupe ce matin-là. But before I share that story, I just want to pray. Avant de partager cette histoire, je vais prier. Lord, we come together this morning. Lord, we come to, together as your body this morning. And we recognize that we are not enough. We recognize that we don't have enough energy or time or skills. We don't have enough, but you do have enough. Lord, show us in your scriptures what you would teach us about what you invite us into and what you ask of us. In Jesus' name. Amen. Hey. So you're probably wondering what the story is. Alors, vous vous demandez peut-être de quelle histoire parle. Let's turn to 1 Kings chapter 17. Tournons notre Bible dans le livre de 1 Rois chapitre 17. We'll just start with the first six verses. Nous allons commencer par les premiers six versets. Now Elijah the Tishbite from Gilead said to Ahab, as the Lord, the God of Israel, lives, whom I serve, there will be neither dew nor rain in the next few years, except at my word. And just to be clear, Ahab was the king of Israel. Achab était le roi d'Israël. And he was very far from the Lord. Et il était loin de l'Éternel. He was deep in sin. Il était dans le péché, profondément dans le péché. And he married a woman who was very deep in sin as well. Et il a épousé une femme qui était aussi profondément ancrée dans le péché. And they were causing all of Israel. Et les deux faisaient que tout Israël into a deep level of sin with idolatry and sexuality. Se trouvait profondément dans le péché avec l'idolâtrie et l'adultère et l'immoralité. Merci. So verse 2 then. Verset 2. The word of the Lord came to Elijah, leave here, turn eastward and hide in the Kereth ravine east of the Jordan. You'll drink from the brook. I have directed the ravens to supply you with food there. So he did what the Lord had told him. He went to the Kereth ravine east of the Jordan and stayed there. The ravens brought him bread and meat in the morning, and bread and meat in the evening, and he drank from the brook. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galad, dit à Achab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Amen. So as we go through this passage, I want to explain just a few points of realizations that I had about God. Alors, en parcourant ces écritures, je vais vous expliquer quelques points des révélations que Dieu m'a données. The first point from these first six verses I want to mention is this. Le premier point que je souhaite mentionner est ceci. You are not strong enough to escape oppression by yourself. Tu n'es pas assez fort pour t'enfuir de l'oppression toute seule, par tes propres forces. In this situation, the king Ahab, dans cette situation, le roi Achab, he was very angry with Elijah, était très en colère contre Élie. Because of everything that was happening, à cause de tout ce qui se passait. And Elijah's life was in danger. Élie était en danger. But even Elijah, this very powerful prophet, mais même Élie, ce prophète tellement puissant, he had to depend completely on God, a dû dépendre en Dieu à 100%, to supply his needs for food and drink, pour subvenir à ses besoins concernant la nourriture. He wasn't strong enough to do it himself. Il n'était pas assez fort pour le faire lui-même. It was God who had to do it completely. C'est Dieu qui devait le faire lui-même, complètement.
I had to remember our time in Sudan when we left. Je me rappelle du temps que nous avons passé au Soudan au moment où nous sommes partis. I already explained there was heavy persecution and oppression of the believers. J'ai expliqué qu'il y avait une oppression, une persécution forte des chrétiens. But God kept giving the community of believers signs that He was with us. Et Dieu a continué à donner des signes aux communautés de croyants comme quoi il était avec cette communauté de croyants. That he would support us even in that oppression. Dieu nous donnait un signe comme quoi il allait nous soutenir même pendant l'oppression. And one Egyptian brother. Et un frère égyptien. He was being tortured in prison because of sharing the good news. Était en train d'être torturé dans la prison à cause du partage de l'évangile. And one day they forced him to stand on a roof. Et un jour on l'a obligé de se mettre sur le toit debout. And to stare at the hot desert sun for hours. Et de fixer son regard au soleil brûlant du désert pendant le désert. And they were beating him. Et on le battait, on le frappait. And just after they had finished this process of making him look at the sun and beating him, et après avoir fini de l'avoir fait rester debout en fixant le regard du soleil et en le frappant, there suddenly appeared on his arm right here. Et tout de suite après est apparu sur son bras à ce point là a bright cross shining. Une croix brillante. And the man who was beating him. Et l'homme qui le frappait. Saw the cross. A vu la croix. And he was shocked. Il était étonné, choqué. He took him immediately back to his cell. Et il l'a ramené de suite dans la prison. And stopped the torturing. Et a arrêté de le torturer. And that stayed on my brother's arm. Et la croix est restée sur son bras. For 3 weeks. Pendant 3 semaines. He could always just look and see that there was this bright shining cross. Il pouvait regarder, il pouvait voir la croix brillante. A very, very close friend of mine, a very good friend of mine that I worked with in Sudan. Un ami très très proche à moi et avec qui j'ai œuvré au Soudan. Just a very humble servant of God. Un serviteur humble de Dieu. He's from Switzerland. Il vient de Suisse, la Suisse. And the Sudanese authorities put him into prison, into solitary confinement for 2 months. Le gouvernement soudanais l'a mis en prison et en solitude en prison, oui. For 2 months. Pendant 2 mois. And after, when he was a few days into it. Et quelques jours durant son séjour en prison. It was about the fifth or sixth day. Peut-être c'était le cinquième ou le sixième jour. He was feeling so much stress and anxiety. Il avait tellement d'anxiété et de stress. Not for himself, but for his family. Pas pour lui-même, mais pour sa famille. And he's reading the story of when Paul was broken out of prison. A miracle happened to Paul and he was broken out of prison. My friend was reading this story. Et il lisait cette histoire de Paul, comment il y a eu un miracle et Paul a pu sortir de la prison. And he prayed to God. Il a prié à Dieu. My friend prayed to God. Mon ami a prié à Dieu. He said, Lord, you gave your miracle to Paul. Where is my miracle? Il a dit, Dieu, tu as donné un miracle à Paul. Où est mon miracle à moi? He said, Lord, please help me get out of this place. Il a dit, Dieu, aide-moi à sortir de cet endroit. And that night, et cette nuit-là, he was sleeping. Il dormait. And he woke up to a very loud crashing sound. Et il a été réveillé par un bruit énorme de quelque chose qui s'est écrasé. And when he woke up in the morning, quand il s'est réveillé le matin, there was a huge crack in the prison up above him in the ceiling. Il y avait une grande fissure sur le toit. In the thick cement wall. Dans cette partie où il y avait sur le toit fait de béton, il y avait une grande fissure. And the sun was shining down in. Et le soleil pénétrait dans sa cellule. And the jailers saw what happened. Et les gardiens de prison ont vu ce qui s'est passé. So they had to move him to another cell. Et les gardiens ont dû le sortir de cette cellule. Pour le mettre dans une autre cellule. And my friend realized after this. Et mon frère s'est rendu compte après cela. Okay, so you're telling me you can get me out if you want. Alors Dieu, j'ai compris. Tu es en train de me dire que tu peux me faire sortir si tu veux. But you have something more for me for now in here. Mais tu as quelque chose de plus pour moi ici en prison. And after that time. Et après ce moment-là. He had an incredible time for about five more weeks. Il a eu un moment exceptionnel pendant 5 semaines.
where he's praising the Lord, où il louait l'Éternel, receiving just revelation every day for his life, for his family. Et chaque jour, Dieu lui donnait la révélation pour lui-même et pour sa famille. But God gave our community in Sudan signs like this. Dieu a donné à notre communauté au Soudan des signes comme ceci. That He would sustain us during oppression. Comme quoi, pendant l'oppression, Dieu allait les soutenir, les subvenir à leurs besoins. We can read in Psalm 103. Nous pouvons lire en Psaume 103. The Lord performs righteous deeds. L'Éternel accomplit des faits et qui sont justes. And judgments for all who are oppressed. Et des jugements pour tous ceux qui sont opprimés. I want you to think about your own situation. Pensez à votre propre situation. I know that there are many of us. Je sais qu'il y en a beaucoup parmi nous. That we're forced to do things that we know are not the right thing to do. Qui sommes obligés à faire certaines choses dont nous savons qu'ils ne sont pas les bonnes choses pour Dieu. Maybe people are mocking our faith. Beaucoup de gens regardent notre foi. But he promises. Ils se moquent de notre foi. But he promises that he will perform righteous deeds for you. Mais Dieu nous a promis d'accomplir des actes justes envers nous. He did it for Elijah. Il l'a fait pour Élie. He did it for a few of my brothers and sisters in Sudan. Il l'a fait pour certains de mes frères et sœurs au Soudan. And he'll do it for you if you let him into your situation. Il va le faire pour vous si vous le laissez entrer dans votre situation. You are not strong enough to escape oppression. You are not strong enough. Vous n'êtes pas assez fort pour vous échapper de l'oppression. But he is. Mais il est assez fort pour le faire. Let's read the next part of this story. Alors, in 1 Kings 17. Première roi 17, lisons la deuxième partie de cette histoire. We'll start in verse 7. Verset 7. Sometime later, the brook dried up because there had been no rain in the land. Then the word of the Lord came to Elijah. Go at once to Zarephath in the region of Sidon and stay there. I've directed a widow there to supply you with food. So he went to Zarephath. When he came to the town gate, a widow was there gathering sticks. He called to her and asked, would you bring me a little water in a jar so I may have a drink? As she was going to get it, he called, and bring me, please, a piece of bread. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un pot d'eau dans un vase, afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. As surely as the Lord your God lives, she replied, I don't have any bread, only a handful of flour in a jar and a little bit of olive oil in a jug. I'm gathering a few sticks to take home and make a meal for myself and my son, that we may eat it and die. And Elijah said to her, don't be afraid. Go home and do as you've said, but first make a small loaf of bread for me from what you have and bring it to me. And then make something for yourself and your son. For this is what the Lord, the God of Israel, says. The jar of flour will not be used up, and the jug of oil will not run dry until the day the Lord sends rain on the land. Hallelujah. Et elle répondit, l'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un pot d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse. Vous n'avez pas assez de ressources. The widow here, she doesn't even have enough to live, not even enough to survive. La veuve dans cette histoire n'avait pas assez pour vivre, ni assez pour survivre. But God gives her enough. Mais Dieu lui donne assez. All through the drought. À travers la sécheresse. He supplies just enough each day to keep her and her family and Elijah alive. Dieu a donné assez pour lui donner pour qu'elle puisse vivre elle, son fils et Élie chaque jour. It's a beautiful picture of them depending on God alone and not themselves. C'est une belle image de comment les trois ont
on dépendait de Dieu pour survivre, pour vivre. And this is the part of the story that really hit me that morning when my wife shared it in our Bible study. Voilà la partie de l'histoire qui m'a tellement touché le matin où mon épouse a partagé l'histoire avec le groupe à l'église. Let me ask you a question. Je vais vous poser une question. Why didn't God just make enough flour and oil appear to last a month or a year or 3 years and give her reassurance, give her confidence? Why didn't he do it? Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas fait apparaître assez d'huile et de farine pour durer un mois? Pour qu'elle puisse avoir cette assurance d'un coup, comme quoi pendant un mois, elle a assez. Pourquoi Dieu ne l'a pas fait ainsi? But only gave her just enough each day. Pourquoi est-ce que Dieu lui a donné juste assez pour chaque jour? It's because of this. C'est à cause de ceci. He loves to meet our needs. Dieu aime subvenir à nos besoins. In Isaiah 40, 31, he says, en Isaïe 40, 31, il dit, those who hope in the Lord will renew their strength. Ceux qui mettent leur espoir dans l'Éternel vont renouveler leur force. They will soar on wings like eagles. Ils vont monter comme des aigles. They will run and not grow weary. Ils vont courir et ils vont pas se fatiguer. They will wait. Ils vont marcher, ils vont pas s'évanouir. Wow. Wow. So when he meets our needs, alors quand il subvient à nos besoins, we'll feel even like an eagle soaring through the clouds. Nous allons nous sentir comme un aigle en train de survoler dans les nuages. So what about this woman? Alors, et cette femme alors? Why not just meet all her needs right away? Pourquoi ne pas subvenir à tous ses besoins à ce moment-là? Because then she might have hope in the grain or the oil. Maybe her hope would be in those things. Parce que si Dieu le faisait, elle allait peut-être mettre son espérance en autre chose, dans la farine peut-être, dans l'huile peut-être. But because God provided happen. Mais car Dieu a donné juste assez pour chaque jour. Her need was supplied by God Himself, and she could soar on wings like eagles. Ses besoins ont été Dieu a subvenu à ses besoins. Et chaque jour, elle pouvait voler, surmonter, voler comme un aigle. Thinking about my situation that I mentioned at the beginning of our time. En parlant de ma situation, la situation que je vous ai racontée tout à l'heure. God really challenged me with the stress I was feeling. Dieu m'a mis au défi avec le stress. These feelings of not being good enough at work and. Ce sentiment comme quoi je n'étais pas assez bon au travail. And to be a perfect dad and a perfect husband. Ce sentiment comme quoi je voulais être un papa parfait, un mari parfait. I felt so exhausted. Je me sentais fatigué. He challenged me. Dieu m'a mis au défi. You don't have enough resources. Vous n'avez pas assez de ressources. But I do have enough resources. Mais moi j'ai assez de ressources, il a dit Dieu. I realized I don't have enough energy. Et je me suis rendu compte que je n'avais pas assez d'énergie. I don't have enough time in the day. Je n'avais pas assez de temps dans la journée. I don't have enough money to do all the traveling and projects I want to do. Je n'avais pas assez d'argent pour accomplir tout ce que je veux accomplir, pour voyager comme je veux, pour finir tous les projets que j'ai. My children aren't in the number one school in Marseille. Mes enfants ne sont pas dans la plus grande école de Marseille. I don't have enough patience to be a perfect dad or a perfect husband. Je n'ai pas assez de patience pour être un papa parfait ou un mari parfait. I don't have the perfect amount of anything in my life. Je n'ai pas assez de rien pour être quelqu'un de parfait dans ma vie. But he spoke to me that day. Mais ce jour-là, Dieu m'a parlé. He said, I do have enough. Il m'a dit que lui, il en a assez. I have enough and it's right where I want you. Et il en a assez de tout et je suis là où il souhaite que je sois. And for each one of you, your situation is the same. Et pour chacun de nous, notre situation est pareille. You don't have enough. Nous n'avons pas assez, personnellement. You don't have enough strength. Personne ici a assez de force. You don't have enough d'argent. Maybe you don't have enough papers. Personne ici a assez de papier même. Maybe you don't have enough education. Personne ici a assez d'études. But he does. Mais lui, il en a assez. At just the right moments. Et il peut donner au bon moment. In each day of our lives, at just the right moment. Dans chaque jour de nos vies et au bon moment, il en a assez pour nous. He will supply all our needs. Il va subvenir à tous nos besoins. It's a promise in the Bible. C'est une promesse dans la Bible. My God will supply all your needs. Mon Dieu va subvenir à tous mes besoins. You don't have enough. Vous n'avez pas assez. But he does. Mais il en a assez. Alléluia. Let's look at the rest of the chapter. Alors, regardons starting in verse 17. Le reste du chapitre, en commençant par le chapitre 17, le verset 17. Sometime later, the son of the woman who owned the house became ill. He grew worse and worse and finally stopped breathing. She said to Elijah,
What do you have against me, man of God? Did you come to remind me of my sin and kill my son? Alléluia. Après ces choses, le fils de la femme, maîtresse de la maison, devint malade. Et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Cette femme dit alors à Élie, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour me rappeler, le souvenir de mon iniquité et pour faire mourir mon fils ?» Give me your son, Elijah replied. He took him from her arms, carried him to the upper room where he was staying, and laid him on his bed. Then he cried out to the Lord, Lord, my God, why have you brought tragedy even on this widow I'm staying with by causing her son to die? Then he stretched himself out on the boy three times and cried out to the Lord, Lord, my God, let this boy's life return to him. Il lui répondit, Donne-moi ton fils. Et il le prit du sein de la femme. Le monta dans la chambre haute où il demeurait et le coucha sur son lit. Puis il invoqua l'Éternel et dit, Éternel mon Dieu, est-ce que tu affligeras au point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un hôte? Et il s'étendit trois fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit, Éternel mon Dieu, je t'en prie que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. And the Lord heard Elijah's cry, and the boy's life returned to him, and he lived. Elijah picked up the child and carried him down from the room into the house. He gave him to his mother and said, Look, your son is alive. Then the woman said to Elijah, Now I know that you're a man of God, and that the word of the Lord from your mouth is the truth. L'Éternel écouta la voix d'Élie, et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui, et il fut rendu à la vie. Elle prit l'enfant, le descendit de la chambre haute dans la maison et donne à sa mère. Et Élie dit, Voici ton fils est vivant. Et la femme dit à Élie, Je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu, et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. The third point I want to make to you this morning. Le troisième point que je souhaite vous donner ce matin. Even your faith is not enough. Même votre foi ne suffit pas. In this woman's situation. Dans la situation de cette femme. What happened to her? Qu'est-ce qui s'est passé à cette femme? The Lord is providing her need miraculously every day. Chaque jour, Dieu est en train de lui donner miraculeusement ce dont elle a besoin. And her son gets sick and starts to die. Son fils tombe malade et commence à mourir. And she goes to Elijah. Elle va voir Élie. And her faith is completely finished. Et sa foi est complètement perdue. What do you have against me, man of God? Homme de Dieu, qu'avez-vous contre moi? Did you come to remind me of my sin and kill my son? Êtes-vous venu pour me rappeler de mon iniquité et tuer mon fils? Her faith just disappeared. Sa foi a disparu. But I had to think about my own situation. Mais j'ai dû penser à ma propre situation. And I realized how many times I've done the same thing. Et je me suis rendu compte de combien de fois j'ai fait la même chose. When I start to think, quand je commence à penser, of how the Lord saved me at a young age, de comment l'Éternel m'a sauvé à un âge tendre, and how I could walk with Him from the time I was very young, et comment j'ai commencé à marcher avec lui à l'âge tendre, cet âge tendre. And each time that I was desperate to have a need met, He came and He met it. Et à chaque fois que j'étais désespéré à avoir un besoin, à avoir quelque chose accompli, Dieu est venu, il a subvenu à mes besoins. I had to think about our situation in Sudan. J'ai dû penser à notre situation au Soudan. Where the Lord provided everything we needed to be able to live there, to live in Sudan, and to have a life sharing Jesus with Muslims. Au moment où Dieu nous a donné tout dont nous avions besoin pour pouvoir vivre au Soudan et pour pouvoir partager sa parole. Many months we didn't know where our food was going to come from, where the money for our rent was going to come from. We didn't know many months. Pendant des mois, nous ne savions pas d'où allait venir l'argent pour le loyer, l'argent pour se nourrir. But each month, somehow, we would have enough. Mais chaque mois, Amen. Dieu Amen. Nous donnait assez. But even then, même avec cette situation. We had a situation come into our life. Nous avons eu une situation arriver. And looking back, et en regardant en arrière, I doubted God so much. J'ai douté en Dieu tellement. We wanted to do the adoption of our two girls from Ethiopia. On voulait réaliser l'adoption de nos deux filles de l'Éthiopie. And if you know anything about adoption, si vous savez quelque chose concernant l'adoption, sadly it costs a lot of money. L'adoption coûte beaucoup d'argent.
Because there have to be lawyers. Car il doit y avoir des avocats. And judges. Des juges. And organizations. Des organisations. So we were in Sudan. Alors nous étions au Soudan. So we had to work with the authorities in Sudan. Nous devions travailler avec les autorités au Soudan. The authorities in Ethiopia. Et les autorités en Éthiopie. And the authorities in the United States. Et les autorités aux États-Unis. And we had to travel a lot to organize the adoption. Et on était obligé de beaucoup voyager pour organiser cette adoption. It was a lot of money. Et ça a coûté beaucoup d'argent. And we were near the beginning of the process. Et nous étions près du début du processus. We didn't have any of this money that we needed to. Et nous n'avions pas d'argent pour commencer ce processus. And we were arriving at one day when we had to have the amount was about 3 months of my salary. We had to have that amount, and I didn't have any of it. Nous sommes arrivés au jour où on devait avoir une somme d'argent qui correspondait à 3 mois de salaire. And we didn't have any of it. Mais on n'avait pas cet argent. So we had put some applications into some different organizations. Mais nous avions mis des demandes au niveau des organisations. That could give some small gifts, maybe $500, maybe $1,000. Des organisations qui donnent des petits dons de $500, $1,000. And so we were praying, maybe we could get a few of these gifts. Et nous on priait, on demandait à Dieu, on espérait avoir quelques dons. And we were praying and praying and praying for a few months. Et pendant des mois, on priait. And this deadline was arriving. Et la date d'échéance arrivait. And we wouldn't be able to continue the process if we didn't have the money. Et si à cette date-là, on n'avait pas cet argent, on ne pouvait plus continuer avec le processus d'adoption. And we didn't get any responses from any of the organizations. Et aucune de ces organisations a répondu. Personne a répondu. And even a lot of people around the world knew we were praying. Et des gens autour du monde savaient qu'on priait. And we had no money for the for what we needed. Et on n'avait pas d'argent pour cette processus, pour démarrer ce processus. Finally, we were 1 week from the date. Et une semaine avant la date d'échéance, a woman called me. Une dame m'appelle. From the United States. Des États-Unis. And she said. You made an application to our organization. Et elle m'a dit, tu as fait une demande auprès de notre organisme. And normally we give some small gifts, maybe $1,000. Normalement nous donnons des petits dons comme $1,000. But we have one anonymous donor. Mais nous avons un donateur anonyme. And that anonymous donor from time to time. Et ce donateur anonyme de temps en temps. They really have a passion for adoption. Et c'est des gens qui ont une passion pour l'adoption. And they like to do something more than this, and they use our organization as a way to give. Et ce donateur des fois aime aller au-delà de $1,000 et ce donateur utilise votre organisation pour and donner. They read about your situation that you're sharing the good news in Sudan and you're working with poor children that don't have enough food. They read about your situation. Et ces donateurs ont lu votre situation, ont lu que vous étiez au Soudan, vous travaillez avec des enfants qui n'ont même pas assez de quoi manger. And they want to pay for your whole adoption. Et ces donateurs vont payer pour la totalité du coût de l'adoption. I felt so ashamed in my heart. J'avais tellement honte dans mon cœur. Because I was begging for just what we needed for these 3 months. Car j'étais en train de mendier pour juste le montant exact de ce qu'on avait besoin pour l'adoption. And finally we received much more than that. Et finalement nous avons reçu au-delà de ce qu'on avait besoin, ce qu'on avait demandé. And I think this is what happens to us so many times. Et c'est ce qui nous arrive souvent. Our faith is not enough. Notre foi n'est pas assez. Even though we were blessed many times before. Malgré que nous avons pu être bénis. We forget. Auparavant, nous oublions. But let's keep going back to him. Mais retournons toujours à lui. And asking him. Et lui demander. The Bible teaches us even faith is a gift from God. La Bible dit que même la foi est un don de Dieu. Let's keep going back to him and saying, Lord, give me faith. Continuons à retourner à Dieu en disant, Dieu, donne-moi la foi. One more point I want to make about this last part of the passage. Un point de plus concernant la dernière partie de cette lecture. We can't heal ourselves. Nous ne pouvons pas nous guérir nous-mêmes. It's God that has to do the healing. C'est Dieu qui doit nous guérir. This woman's faith is very low. La foi de cette dame était tellement basse.
But it's God that comes and does it. Petite, mais c'est Dieu qui est venu pour remonter la foi de cette dame. And God really dealt with me that day with this story, that day that I described. God dealt with me. He challenged me. Dieu m'a parlé. Dieu m'a mis au défi le jour où j'ai entendu cette histoire à l'église. To say, look, you're trying everything you know how to do to fix yourself. Dieu m'a dit, tu essayes tout ce que tu peux faire pour gérer ta situation. But it's me that heal you, that has to heal those tired parts of your heart. Mais c'est moi, Dieu, qui doit guérir les parties fatiguées de ton cœur. Everything a double double low. Promotion double double low. Your money double double low. Your house double double low. Your cars double double low. Somebody scream! Motte, mama, let me hear you shout! 1, 2, 3, 4, 3, let's go! Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Let's go! Simbalo no trend the kulumba no say part of it. Zambe wamboyo. All right, let's do it like this. Zambe wamboyo. Say Zambe wamboyo. Come on, let's do it like this. Come on. Zambe wamboyo. Come on, come on. Let's do it like this. Come on. Zambe wamboyo. Everybody, come on. Let's do it like this. Come on. Zambe wamboyo. Come on, come on. Zambe wamboyo. Zambe wamboyo. Come on, come on. Zambe wamboyo. Zambe wamboyo. What's that? Zambe wamboyo. Zambe wamboyo. Are you ready? Now, let's go. This. Here, kale, kale. Zambe wamboyo. Come on, what's that? Zambe wamboyo. Turn around, turn around. Zambe wamboyo. Here, kale, kale. This way, this way. Sukachini, chini chena, 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 sukachini, sukachini, chini chena, 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 Chini chena, sukachini, chini chena, sukachini, chini chena, sukachini, chini chena, sukachini, chini chena, sukachini. Iya kale kale, ah. Iya kale kale, ah. Iya kale kale, ah. Mate mate, mate mate, mate. Somebody scream! Let me hear you make a joyful noise unto the Lord.